Kidnapping, insécurité à corruption, symptômes a encore qui malade, c'est Haïti qui est dans les fers. Déception, banalisation de la vie, corruption au sein des institutions de l'État, une véritable descente aux enfers. Et une accusée accusé aujourd'hui par l'autre que Michel-Ange Gédéon, ancien directeur général de la police nationale, accusé de mauvaise gestion au sein de cette même institution, selon un rapport de FJKL. Alors, salut les amis, c'est Aléa Rouge. Koncernan la polis nasyonal aisyen, genè chanjman se ben sa ki operè ou sen de institisyon wangari derosye ki te plas li pou pote parol a yankou li ala, Marie-Michel Verrier, desinasyon yon pos ala DCPJ pou gari derosye ki kite le souye a Madame Michel Verrier pou li fe prouev li en atenda ke yon ta meton lot moun nan plas li sil pat arive konvenk Et administration pénitentiaire en lui revenu à personne sur jour qui sortit en côté là comme monde qui responsable pénitentiaire national actuellement là, donc la police, la PC est là pour mettre en avant les femmes, nous est ça qui a la depuis quelques temps. Est-ce que ça veut dire que la participer de une débrutalisation de rapport la police là avec d'autres entités dans la société à côté, y a mettez mes amis en avant pour permettre que la communication passe et puis bien, nous pas trop sûr si c'est ça lié exactement, mais ça qui paraît là c'est que ont un effort pour mettre mesdames devant ce nom dans espace de communication pour faciliter les échanges avec d'autres structures sociales ou bien d'autres entités en dans la société au sorti que la PNH entraîne une telle dynamique avec la nomination de Madame Michel Verrier comme porte parole AI de la police nationale. Certainement, la le gain, pour que l'ISEE fait preuve li et s'il t'a. Commencez par convaincre tout le bon vrai? C'est sûr que la prête comme porte-parole PNH, parce que quand même, ça fait quelques temps que nous n'avons pas gagné une porte-parole qui est femme. Après, on va regarder dans PNH, dans l'histoire, qui j'en gagné des porte parole déjà qui étaient femmes et qui ont certains résultats au sein de la police nationale. Donc, on se rappelle de l'histoire de quelques femmes au sein de la police nationale. Tu as gagné Marie-Christine Jeune, tu as gagné Jocelyne Pierre, qui est même arrivée. Jouenne nomination comme directrice générale sur Aristide. T'a également docteur Marie-Jessica Mokwakou, ancienne commissaire divisionnaire, spécialiste en sciences forensiques, ancienne directrice premier laboratoire de police scientifique d'Haïti, qui c'est BPST. Et puis ancienne adjointe an de direction générale de la police judiciaire, yon ancienne porte-parole de la PNH. Et puis, nous capable capables de dire, di si que vous mettez. Sous-côté depuis quelque temps, qui est Yannick Joseph, il y un ensemble de filles dans la police là, qui essayent de distinguer eux de par actions qui a posées. Certaines sont plus sages, tant que marie Michel Verrier, Jean-Louis pas, d'autres sont beaucoup plus tonitruantes, tant que Yannick Joseph, qui sont au monde non, est qui remet pour l'actif, non une série de mouvements qui fait, qui voulaient que la police, là même, ou bien les policiers, Yo gagné de meilleures conditions de travail. C'est ça que le TPC fait avec SPNH Lan qui coulient là. Suppose, parce que nous pas joindre depuis quelques temps aucun communiqué qui dit que SPNH l'a fait de sortie là pour montrer que y toujours été très actifs. Donc, soit la police nationale là avec les femmes, il n'est pas toujours douce euh, entre refus. Déception, meurtre, le cas de Marie-Christine Jeune tuée après qu'elle était refusée, baille la main avec un chef de gang. Nous que ça c'était sous Aristide, Jocelyne Pierre qui était tué en 2014 à Vivi Mitchell. Lui-même Jocelyne Pierre, c'est une ancienne directrice générale de la police nationale, une ancienne doyenne de tribunal de première instance de Port-au-Prince, qui n'a pas gagné la faveur de servir le hein? Après Jean-Aubert Faveur, nous songez que Aristide était nommé monsieur, mais après elle t'a ki te pe yon pou l pren yon exil, e se lal rivel ta pral explike, rezon k fèl ki l te pren exil lan, se pou se ke li te estime ki te genyen 3 politik nan komandman la polis lan, dok li te jetil. Bien sur, apre Jean-Roubert Faveur, certe te genyen Marie-Jocelyne Pierre, ki li men ta pral pren komandman la polis lan, men se te pren ti boutan, puisque li te nan yon konteks, Très difficile, puisque, dans le moment, ça, t'es une bataille entre la valace et convergence, et c'est la plupart du temps, convergence qui te gagné, mot pour le dire, en termes de monde qui t'a loué là, comme directeur général, de la police. Donc, en 25 ans d'existence, nous capables de dire, que euh, la police-là n'est pas vraiment à remonter, Au contraire, c'est descendre, descendre. En 25 ans d'existence, nous capables de dire que la police la direction que la prend là, son direction côté la tombe plus que la remontée. Et ceci depuis décembre 1994 date publication moniteur numéro 103 qui était la création, organisation avec fonctionnement de la police nationale là depuis les Adrien Rameau comme une première tête qui était pour la police là, après les Fouel Célestin Lavalas qui était en tête de la police dans les mêmes tout et après le feu Pierre Denizé, sous préval, Denizé qui est un monde qui vraiment étudie sciences Policière, mais il était distingué par capacité pour le manager de la police. Ça, sa, qui sans doute loué par Marion André Sol après que M. lui-même était mort. Puis, a c'était sous préval que le était possibilité pour le mener la police. La, et apparemment, gestion n'est pas mauvaise du tout, bien que les pas monde qui était étudié science policière. En passant, il as Jean-Aubert Favor, nous avons parlé de lui là Marion André Sol, puis Michel-Ange Gédéon, avant que. Nous venons tomber là dans le Léon Michel Angédéon, un peu de monde que M. Tegon, très bonne gestion. D'ailleurs, en peu fois, il y aurait aimé prendre des déclarations que Michel Angédéon fait pour justifier certaines choses. Quelque part, son directeur général qui a été à cœur, au niveau de la police, là, avec certains hommes politiques. Michel Angédéon qui accablé par un rapport que FJKL lui-même lui fait. Rapport ça, lui vraiment capable de déranger Michel depuis l'IA. Et c'est pour la première fois que... Donc parlant de la direction générale de la police nationale, dans le règlement qui régit le fonctionnement de la police, là, il est clairement indiqué que dans l'article 22, directeur général de la police nationale, c'est secrétaire exécutif CSPN. Là, et il est choisi parmi directeurs centraux, actes, commissaires, divisionnaires, et puis il est nommé conformément à la Constitution pour un mandat de trois ans renouvelable. Ça, c'est valable. Autant pour Adrien Rameau, autant pour Jean-Robert autant pour Mountakou, Michel-Ange Gédéon, qui était joué en faveur, nomination ça, sous prix voilà que l'après Michel-Ange Gédéon, son désastre, selon déjà quelques détails concernant le rapport que FJKL lui-même l'a dressé contre Michel-Ange Gédéon. Donc, il a toujours dit que si Paguen s'y pas Paguen voler, Korupsyon an, se veritab gangren sosyete an. Se paske ke de moun kap si tigel ki fe ke korupsyon an, jiska prezan, li rete yon mal endemik an dan peyi da iti. Don, rapor sa soti, Mikel Lange deyon nan gro problem piske la bal genye di man bol ta justifiye de depans ki ta fet justeman an deyor de nom trase par rekleman la na polis lan Et puis, par normes administratives, ça, c'est gros problème que lié, problème de corruption, qui est extrêmement complexe. L'égislateur haïtiens, ou bien haïtiens, les faits de corruption et infraction pénale. Pourtant, Haïti, c'est un pays qui gagne plus plus corrompu dans le monde. L'ULCC, qui est institution qui chargée pour lutter contre la corruption en Haïti, en réalité, est-ce qu'elle a un moyen politique Est-ce qu'elle a un encouragement de l'État. Est-ce que vraiment l'ULCC est capable de travailler sur de gros dossiers de corruption? Nous ne pas trop mais en tout cas, nous pensons que tout gouvernement qui respecte tête têtes qui travaille pour lutter contre la corruption, l'État a supposé par tout organe de contrôle, les moyens nécessaires pour que l'État bataille contre la corruption, puisque la corruption, j'en dis tout temps, c'est lui-même qui empêchait que l'État entre l'argent pour investir dans des projets sociaux pour permettre que les populations râler et souffle. Donc, la corruption, dans l'État, c'est ça qui préoccupe nous-mêmes, qui fait que nous voulons sortir cette vidéo pour comprendre plus bien qui est la corruption dans la société. La loi 12 mars 2014 pour la prévention et la répression de la corruption définit la corruption comme étant le fait que les gens ou bien personnes morales personne morale, institutions utilisent les fonctions soit pour commettre des abus, soit pour garantir propre profil au détriment de l'autre monde. Toutfwa, Transparency International plase Haïti kom 23èm peyi ki pi korompu nan mod lan e sète lor de dèrnye rapor ki te date de 2017 lan. Don kelke pa, Haïti li tre ro plase nan klasman peyi ki bokou plis korompu nan mod lan. Il li eksiste konmèm plise institisyon de lout kont koropsyon nan Haïti nou Capacité la Cour supérieure des comptes, que nous pas parlé de l'état là par rapport avec Michel-Angédéon, selon le rapport qui sortit, hein? unité centrale de renseignement financier qui eu UCREF, à Commission nationale du marché public, c'est LMP, et puis Inspection générale des finances à unité de lutte contre la corruption. C'est à travers une audit financier publié hier 26 avril 2021 que Fondation J'éclairé, FJKL, portait certaines précisions sous gestion de Michel-Angédéon. nan tèt polis nasyonal d'Haitiyan ou kou de peryode ki ale de 8 avril 2016 a 30 septem 2017 e de 1 octobre 2017 ou 27 ao 2019. D'apre, informasyon yo yon yo total de 1,266,913 goud e 86 centime sou apre de 20 milyon de dolar ameriken ou to mwayen de peryode sa a Y a pas supporté par des pièces justificatives. Donc, pas aucun moyen pour te justifier décaissement de l'agence, ça veut dire là déjà, nous pas parler de détournement. Toujours d'après l'audit FJKL. Là. Outre, directeur général de la police nationale, là, Michel Mikel qui est des comptables de l'institution policière là, à l'époque, qui était impliquée dans des affaires de corruption. D'ailleurs, conseiller instructeur, mais 8008 Garçon, chargé de affaires ça, par le président Cour supérieur des comptes et. Du contentieux administratif, tu es recommandé à tribunal là pour te faire comparaître et à la barre, M. Wensi, bien-aimé, pour te accompagner le de subordonné, qui concernait donc avec Michel-Ange Gédéon sous violation des règles de comptabilité publique que révélé dans la gestion de Michel-Ange Gédéon dans la tête PNH. Là. On va dire que un pile monde ne ta penser puisque Michel-Ange est toujours paraître on est qui clean dans la tête de police là et qui peut-être jouit dans la belle perception. Et c'est aujourd'hui on a senti que Aïe, 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 ce n'est pas suffisant pour m'a mais c'est plutôt action ou bien sacrété par rapport avec action que tu as posé à exercer fonction comme autorité. FJKL a également attiré l'attention sur le fait que la commission qui était en charge pour vérifier gestion ex GPN lan que a présidé par Sam Metellus, après que le as révélé irrégularité qui persistait dans le rapport, tu as quand même un bah avis favorable à Cham. Des afer financier nan kou lan pou yon arek de kitu. Sa vle di ke jesyon monsye te normal. Pan Mikel Lange deyon, e sa li souleve de kesyon. Dok malgre ke yo pari ve justifi la jans sa ou te dekesè. Ebyen, Mikel Lange deyon te jwen yon arek de kitu. Sa vle di ke yon arek ki di ke jesyon monsye te tre tre bon. Li pa te fe oken malversasyon financier. La ankon goun gro problem. Deja an nivou de la kou, koman fe ke... malgré l'argent vérifié ou bien justifié Michel Ange joigne quand même des certificats qui montrent que gestion était bon. Là, c'est pas seulement un problème au niveau de Michel Ange c'est également un problème au niveau de la Cour des comptes côté où senti que baio, il pas transparent du tout. Donc son question de spaghetti mélanger que lié question corruption en Haïti. Alors Michel il y a un compte pour le run par rapport avec ça qui là comme rapport qui très accablant pour lui même côté plusieurs millions de dollars américains, soit 20 millions de dollars américains a dépensé, sans que pas gain des pièces qui supportaient justification de décaissement de l'agence Donc ça, un gros fait en actualité. Un pile monde saisi, pas un pile de monde qui était pensé que Michel Angedeon était capable de faire objet de. malversasyon lor de gestyon li kom direktor jeneral nan tèt la polis nasyonal lan. Alors, nou wè ki jan li important pou ke l'Etat mette en branl, tout outil ou bi organ ki la pou jere kesyon la jan l'Etat, depanso nivou de l'Etat ou bi goumen kont korupsyon, takoun toujou dil, des institisyon tankou ULCC, ULCC c'est Unite de lutte kont la korupsyon, des institisyon tankou UKREF, UKREF ki son organize ki la pou cheke renseyman financier pou gade ki jan la jan ap sekule epi si pa gen de blanchi man kap fet ou nivou de la jan sa. Donk la ankon sou institisyon ki trez epotan pwiske nou konen a iti, nou trez informel nan fason ke nan ap fet de transaksyon financier, nan fason ke nou jere ke son la jan. Alor, trez fasil ansan sa pou ke gen la jan blanchi nan ekonomi nan pwiske nou nan gwo ekonomi informel. Alor, yon institisyon takou yu kref ta kapap ban pil ti si pou lwen avek de moun soit qui dans l'état soit qui n'en privé qui gagne de l'argent sale dans et qui jouent de possibilités pour yo blanchir l'argent si vraiment Ukref, te joigne de encouragement au niveau de mon cap a yo si vraiment ça te place, ou bien inscrit dans le cadre de politique publique pour intervenir sur des questions de renseignement financier pour garder qui ki est-ce qui bon a mon argent à qui ki est-ce qui a l'argent sale c'est ce que Ukref t'a fait le très bon travail dis ki en là qui est-ce qui a la tête Ukref, en plein monde pas Certainement, il y de a des gens, c'est qui parlé de UCREF pourtant, son organe qui est capable de permettre que nous, aider l'économie, à garder genre même, là, dans, regarder qui ont l'argent lui-même, la circulation, chercher des renseignements financiers pour garder. est-ce que tel ne pas l'argent sale, est-ce que tel lui-même, c'est pas l'argent propre que le gagne. Donc après, ULC, c'est UCREF, gagne certainement la Cour des comptes, gagne la Commission nationale de marché public, qui c'est CRDMP, qui lui-même doit garder contrat qui a passé entre l'État et d'autres entités qui gagnent pour prendre un contrat dans l'État. Est-ce que le contrat au passé selon les normes de marché public Donc, est-ce que le contrat s'est passé selon toute procédure administrative Est-ce que les on qui ont avec l'État ont un droit pour faire ça Donc, ça, c'est un qui est extrêmement important. Donc, l'État supposé miser sur ça. Ou autant de travail nous avons fait au niveau de lutte contre la corruption. Et à l'heure, on a dit dans notre vidéo que la lutte contre la corruption, c'est une demande sociale qui est actuellement là, dans le pays. Et parmi les demandes sociales, ça, c'est une qui vient en vente. D'ailleurs, nous, ou bien songer manifestation qui était faite le 17 octobre 2018, des milliers de monde, pour ne pas dire plus, de millions de monde de la rue pour te demander qu'on la aller au Caribe. façon pour te so, dire, l'État qu que nous, à bout, à mon cap, continuer manger l'argent de l'État, parce que l'on mange l'argent de l'État, l'on vole l'État, c'est le peuple qui vole, parce que c'est la possibilité pour peuple pour recevoir en retour, l'État capable lui-même, de projets sociaux qui permettent que capable de vivre dans un pays normalement. Donc, je ne dis là et ça, nous pas capables, pas pas boi, faut aller la donner il faut que l'État en mesure pour que les contre la corruption. Et puis nous ne pouvons pas contre corruption, nous ne pouvons jamais pays. Et pour nous faire contre la corruption, les ça a eu, que nous avons parlé de l'autre à à savoir UCREF, ULCC, à savoir CNMP, à savoir la Cour des comptes, et puis IGF. IGF, c'est l'inspection générale des finances, et mission que le gain lui-même, c'est pour le vérifier, c'est pour le contrôler, c'est pour assurer des audits techniques, administratifs, financiers et comptables avant et après sous ensemble administration publique nationale et pour l'étudier, tout toute question pour l'exécuter, toute mission qui liée avec question finance publique à comptabilité publique toute l'argent qui a été dans l'administration publique là, au niveau national IGF supposé capable de garder comment l'agence lui même l'a est-ce que pas de détournement a est-ce que pas gain des monde qui doit qui pas remettre pa pa l'argent donc IGF lan, jodi an la, la se si Rolf Duby ki la doni, men an pi moun pa konen, poske an pi moun pa konen genyon institusyon ki e li IGF, ki ap fon travay tre nob o nivou de la sosyete, ki o ta merite ke yo mette de projekte soli. Non, kelke pan, si tout institusyon sa yo ap fe travay yo veritableman, nap genyon meyo not nan klasman Transparency International, sertenman nap klas epi ba nan koeficyant Côté pays qui gagne plus de corruption, il y a toujours pareil presque et chaque période. Au cas où nous sommes de 23e, nous arrivons jusqu'à 100e. Et l'on nous 100e, ça veut dire que nous tapons 20 pays, côté qui ont moins de corruption qui fait la donne. Mais ce n'est pas sans raison qu'il y a un grand proverbe qui dit, plus même pour là, pas quitter le crier Son baril qui y dans l'histoire, nous, nous gérons cette corruption. Nous, istorikman e li pral difisil pou ke nou wetiril nan nou men, paske li preske vini, e yon fè kulsurel ki, justeman karakterize l'Aïsien, dan tout son istwa, Aïsien an li men nou konen ke zafè korupsyon an, pa fwase man nan l'Etat, nou jere l'Asebi, se sa ke fè ke jodian nou la nan peyi sa, pa gen devlopman, pa gon bon ekonomi, pa gon bon l'ekol, l'Etat pa gen ase di resouss, pour que qu'ils répondent avec rôle li comme l'État, ou bien ils répondent avec mission égale. qui se permettent de créer un cadre de vie pour que les Haïtiens vivent normalement en dans un pays. Yon. Donc, konsa ke, gen boi, la, nous avons besoin de pas qu'ils pas seul ça, l'État pour le faire, pour l'aider, nous allons souffre. C'est permettre que toute institution qui a là pour bataille contre la corruption, eh bien, l'État accompagne yon. pour éviter que l'autre catacoume, michel retourner vienne joindre nous cest à l'autre monde qui te fait tout faut justement de rapport qui reste depuis plus de 20 ans pour garder qui gens gestion au niveau de chaque institution de l'état par exemple la police il faut regarder après Léon Charles qui gens l'argent ont été dépensé qui gens Léon Charles t'a engagé l'argent l'état pendant le directeur général de la police pour ça pas arriver encore il faut que nous trase yon ekzamp. Dok se te impotant pou ken defeti video sa pou ou men ki ta toujou remen gen yon ide ou ben gen des ide sou de kesyon ase teknik men nou fonje pou ke nou utilize de term ase banal pou permette ke ou kompran ke gen de baka pas nan sosyete yon, se pa ke pa gen si son ki existe men se tout sepleman ke nou fe le mousou an bon bagay ki fe ke nou la jodi yon. Dok sou te remen video sa like, komante Partagez avec d'autres personnes tous vous estimez que c'était intéressant. Et si vous pensez que le travail-là est capable de faire mieux toujours, abonnez à la chaîne pour suivre jean Afel et pour continuer à encourager nous-mêmes pour continuer à voir des vidéos intéressantes et pour être, capable de être fidèle avec Chanel. Allez-vous là?